NCIST, une terrible épreuve à laquelle l'actrice américaine Sandra Bullock doit faire face. Brian Rendall, son compagnon depuis 2015, est décédé en fin de semaine dernière après avoir lutté secrètement contre la maladie. La nouvelle a été annoncée par sa famille ce lundi 7 août au magazine américain People. Le conjoint de Sandra Bullock, Brian Rendall, est décédé en fin de semaine des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, SLA. Sa famille a confirmé la nouvelle au magazine américain People ce lundi 7 août 2023. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Brian est mort paisiblement le 5 août après 3 ans d'une bataille contre la SLA, est-il écrit dans le communiqué. Plus connue sous le nom de maladie de Charcot, cette maladie neurodégénérative grave touche les nerfs et les muscles. Elle démarre par une faiblesse musculaire, puis entraîne une paralysie progressive à l'issue fatale. Brian a choisi très tôt de ne pas dévoiler son parcours avec la SLA et ceux d'entre nous qui se sont occupés de lui ont fait de leur mieux pour honorer sa demande, a indiqué sa famille. Son couple avec Sandra Bullock officialisé au mariage de Jennifer Aniston. Sandra Bullock, qui avait annoncé l'an dernier qu'elle mettait sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ses enfants, avait rencontré Brian Rendall en janvier 2015. Ancien mannequin, il était en effet devenu photographe et avait été choisi par la comédienne pour immortaliser l'anniversaire de son fils Louis. C'est quelques mois plus tard qu'ils ont officialisé leur relation, en apparaissant ensemble au mariage de Jennifer Aniston et Justin Theroux. Si l'actrice du Secret de la Cité Perdue, avec Channing Tatum et Brad Pitt, n'a pas encore commenté cette douloureuse disparition, la famille de Brian Rendall a tenu à remercier le corps médical. En ce moment, nous demandons de l'intimité pour faire notre deuil et accepter l'impossibilité de dire au revoir à Brian, est-il enfin écrit. Il laisse notamment derrière lui une fille, Skylar, dont la mère est décédée il y a plusieurs années.